Les petits chiens, les petits chiens, les petits chiens. Comment ça va? Ah, toi? Ça va super bien. La bière, ça me fait pisser, fait que je bois du vin. 3 heures. Tu as mis tes couches? 3 heures, la petite bouteille de vin. Qu'est-ce qu'on fait à soir, mon Dan? Ça va voir Avengers Endgame. On s'en va voir Avengers Endgame. Moi, Dan, il y a 2 autres gars qui vont venir nous rejoindre. Ils viennent nous rejoindre ici? Ouais, Zach est déjà en bas, il est en train de se masturber en regardant des orques. Et puis, ah non, c'est vrai, tu voulais faire un channel familial. Zach est en train de jouer à Minecraft. Oui, Minecraft! Puis Pat, Captain Space Bar vient nous rejoindre. Captain Space Bar s'en vient nous rejoindre. On va être 4 gars, on s'en va voir à The Endgame. J'ai hâte, je suis comme un enfant qui va déballer ses cadeaux. Dan m'a envoyé une photo, il a fait son caca avant d'y aller parce que c'est un film de 3 heures. Ouais, petit caca nerveux. Ouais, moi tout, j'ai tout fait mes besoins avant de partir. T'as-tu essayé d'éviter tous les spoilers? J'ai essayé d'éviter tous les spoilers, puis avant de partir, juste avant de partir, il y a un gars qui était sur le bord de me révéler de quoi. J'ai fait comme, ok, non. C'était dans les commentaires d'un de mes posts, j'ai fait non. Toi? Bloc. Non! Sois bien averti, mon esti. Fait que là, il reste juste d'ici au cinéma. Puis après ça, on va être safe. Une fois que, ouais, c'est ça, on rouvre pas le téléphone d'ici là. Te souviens-tu, Dan, les débuts de Twitter? Oui, ben oui. Je l'ai raconté dans le Daily Buffer. Au début de Twitter, Twitter était pas mal plus, était pas mal plus libre, puis il y avait des API, puis là, ben, tu pouvais contrôler Twitter avec d'autres applications. J'avais fait un algorithme avec Yahoo Pipe qui était capable de capter chaque fois que quelqu'un disait un terme spécifique. Dans mon cas, c'était « I'm going to see Twilight ». C'était le dernier épisode de Twilight. OK. Puis j'avais créé un compte Twitter. À chaque fois que quelqu'un disait ça, je spoilais le film sur Twitter. Shit, sale! Puis là, je l'ai fait, puis les premières minutes, ça marchait pas, fait que je l'ai abandonné, je l'ai laissé de même. Non. Puis à un moment donné, je suis retourné voir, genre 2 semaines plus tard, puis le monde me criait après, des jeunes qui braillaient, puis des mères qui essayaient de me rejoindre. T'as ruiné le film de ma fille! Je l'avais appelé le spoiler bot, puis je m'en voulais tellement. Après, j'ai fait comme, pourquoi t'as fait ça? C'était juste tester mes compétences, mais pourquoi tu testes tes compétences sur un film d'ado? Je me sentais une marde, là. Dan, il va mettre sa barrière. Sa barrière. Ça, c'est la barrière qu'il faut qu'il fasse à chaque fois. C'est 40 livres. Puis, il faut que je mette un autre. Faut qu'il mette un sac de une poche. 18 kilos. Pour pas qu'il défonce la barrière. Ouais, parce qu'il défonce le cadre. Sinon, s'il réussit à traverser, ils s'en vont manger les sofas. Bye, Yoda. Tu viens pas avec nous autres. Bye, bye. Dan est rendu avec un nouveau char, puis un nouveau cellulaire. Ouais. C'est quoi ton nouveau cellulaire, Dan? Un Huawei. J'ai une montre Huawei. Pis ton auto, c'est? C'est un Huawei. Le Nissan Juke. Juke? Ouais. Wow! C'est le bébé Murano. Le bébé Murano? Ouais. OK. Wow, il est bien beau, Dan. J'aime pas ça quand le monde s'achète des chars neufs parce que ça me rappelle que moi aussi, il faut que je m'en achète un moment. Ouais, fait que ta théorie. Ma théorie, c'est que ils vont remonter dans le temps. Je pense que Captain Marvel a le don de pouvoir remonter dans le temps. Ant-Man? Captain Marvel aussi, il me semble. Non, c'est plus Ant-Man. Ben, elle faisait des Travel in Time, par exemple, dans le film. Ben non, ça se passait en 90. Ouais, mais elle avait pas des projets. Elle avait pas des flashbacks de plus tard. Non. Ben oui, elle avait des flashbacks d'avant. D'avant? Quand elle était humaine, puis que. Mais c'était des flashbacks, elle n'est pas vraiment retournée dans le temps. Ok. Ma théorie favorite, par exemple, celle que je souhaiterais, c'est vraiment que Ant-Man rentre dans l'anus de Thanos. puis reprenne son expansion. Ça finirait. Visuellement, là, ce serait tellement l'affaire la plus incroyable au monde. Est-ce que ça serait beau, hein? J'espère au moins que dans le film, ils font référence à ça. Oh! Yeah.
que ben du monde qui ont pleuré de joie, de peine. Ah ouais, hein? Il y en a qui se sont fait battre parce qu'ils ont spoil. Oui, il y a un gars qui s'est fait tabasser. Il méritait le tabac. Parce qu'il a spoil le film. Quelle merde! Je compte la violence, sauf pour lui. Dan, puis Zach, juste là. Puis les gars, comment vous avez trouvé le film? Correct. Correct, hein? Les effets spéciaux, c'est un peu à chier. C'est un bon petit film de... Green Lantern, c'est un meilleur. Je ferais pas un full review parce que tout le monde n'a entendu parler, mais ouais. Sur 10, tu y donnes combien? 6. Quoi? Tu y donnes 6? Toi, Moi, je l'avais un bon 8.5 certain. Là. Ah, 8.5? Ah, ouais. Je donne 10, moi. Il mérite son 10. Ah, 10. 10.5 ouais. Sur 10. Ouais. Il aurait dû choisir un autre acteur pour Iron Man, je trouve. Ouais, c'est ça. Bobby Bechot était bon là-dedans. Il c'était excellent. C'était épique. Là, c'était ouais. Vraiment bon. Somme toute, c'est un bon film. Je ferai pas de review, je ferai pas d'analyse parce que tout le monde est tanné d'en entendre parler, mais c'était notre aventure au cinéma pour aller voir Avenger Endgame. C'était bien bon. Ça vaut la peine. Il mérite son 10. Hola, Internet! On est samedi. Je suis dans un parc complètement random à Sorel. Sorel, qui est une zone, selon AirMap, une application spéciale, c'est une zone qui est dronable. Je suis dans un parc où est-ce que je devrais pouvoir droner. Ma blonde, elle avait affaire pour son blog ici à Sorel. Elle fait le tour des brocanteurs. Puis moi, j'en ai profité pour venir... Je voulais sortir un petit peu de mon sous-sol, ça fait du bien. En plus, il annonçait beau. Puis en plus, j'ai un petit rhume. Il me semble que le plein air, ça va me faire du bien. Puis en plus, ben, j'ai rien de fait pour le vlog vu que... J'ai gamé. C'est ça que j'ai fait. Au lieu de terminer mon vlog, j'ai littéralement fait le gros paresseux, mais c'est écrasé devant mon ordinateur, puis j'ai gamé. Fait que ça nous fait une belle petite sortie, ma blonde est de bonne humeur en plus. On dirait qu'on avait besoin de soleil, les deux. Puis je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait voler le drone. En plus, il y a des nouvelles règles qui entrent en vigueur le 1er juin. Je vais en profiter pendant que ces règles-là sont pas encore en vigueur. Parce que là, j'espère que ça... Bon, let's go fly. Je m'ennuyais de faire voler mon drone. Thank you.
Premier vol, une totale réussite. Wow. Bon, ma blonde doit être en train de faire ses trucs. Je vais lui dire qu'elle peut venir me chercher. J'ai dépensé 2 batteries, il m'en reste 2. 2 batteries de drone. Je vais me les garder d'un coup, je vois un beau décor. 2 beaux vols, t'es cool. À Sorel, je pensais pas que Sorel pourrait avoir des attraits bucoliques. J'ai perdu ma vapoteuse. Non, ça me prend ma vapoteuse. Non. Fuck. Je pense que je me suis fait voler ma vapoteuse. Je me suis éloigné de mon sac, puis j'ai vu une fille en patin roulette, une espèce de coquette qui criait fort. Puis qui avait pas de l'air toute là. Puis je pense qu'elle m'a volé ma vapoteuse. Je me suis fait voler par une crackhead à Sorel. Sorel, tabarnak, get your act together! Bon ben, ma blonde est ici avec l'auto, puis la veille, pas de l'air d'être dans l'auto. À moins qu'elle soit tombée de ma poche. Non. Je me suis fait voler ma veille par une crackhead à Sorel. Tabarnak, c'est drôle. C'est drôle, puis c'est pas drôle. Bon. Oui, on s'en va d'ici. Là, j'ai le goût de vapoter.